1, 2, 1, 2. Ok, ça enregistre, parfait. Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est Tumpus84, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, un let's play de Rogue Legacy, un jeu que j'attendais depuis un petit moment et je viens de le recevoir, j'ai envoyé, il est sorti aujourd'hui, on est le 27, et j'ai envoyé un mail ce midi au bonhomme, aux gens qui ont développé ce jeu. Je leur ai dit, donc c'est Cellar d'Or, vous pouvez voir, est-ce qu'on... Non, il n'y a pas de curseur qui apparaît quand je bouge la souris. Donc c'est Cellar d'Or Games... qui ont réalisé ce truc-là, et on avait déjà vu la démo tourner, ça faisait un petit moment, et j'attendais avec impatience qu'ils sortent, et finalement, voilà, le jeu est arrivé. Rogue Legacy, un roguelike, apparemment sur une famille chargée, une famille de chevaliers chargée de venger un roi, ou un membre de leur famille. On va voir ensemble tout ça, j'y ai pas du tout joué, j'y ai joué 4 minutes, et je me suis dit, non, y a pas moyen, je vais découvrir ce jeu avec vous, donc... Voilà, les termes sont très simples, j'ai rien à vous expliquer, je vais tout découvrir en même temps que vous, et espérons-le, ce sera aussi cool pour vous que pour moi. Et puis si vous aimez pas, vous pouvez toujours éteindre la vidéo. Boum ! Le mec en a rien à foutre, le mec est ouf ! Allez, c'est parti, donc nous contrôlons. Je vous ai... Par contre, l'intro, je me la suis faite tout seul. Bon, bah, vous avez ce personnage-là, ou un personnage qui lui ressemble, qui assassine un roi. Et donc, apparemment, nous sommes... le personnage qui est chargé venger ce roi. Alors j'ai pas compris comment on fait pour voir la map encore. Ça paraît simple, il suffit d'appuyer sur ce truc. Donc voilà, ça doit être ma map, voilà, très bien. Donc voilà, maintenant je fais O, diary entry, ok, entry 1. Alors, treason, an assassin has wounded the father, my father the king. Donc, trahison, un assassin a blessé mon père le roi. To bring order back to the kingdom, he has sent my siblings and I on a quest to save him. Pour ramener la paix dans le royaume, il m'a envoyé moi et les siblings, c'est les membres de ma famille, dans une quête pour le sauver. Together we will venture into the cursed woods and enter Castle Hansom. Donc ensemble, nous allons nous aventurer dans les bois maudits et entrer dans le château de Hansom. J'ai très envie d'y aller. This cursed castle has stood on the edge of the woods since time immemorial. But rumor says that within it dwells an item which will cure any ailment. Donc dans ce château maudit se tient... Non, ce château maudit se tient à la limite de la forêt depuis des temps immémoriaux. Mais la rumeur dit qu'à l'intérieur, à l'intérieur se trouve un item qui va soigner any aliment. Donc voilà. Bon, apparemment c'est un item qui soigne, je suis pas... le meilleur traducteur du monde, hein. Je suis un peu bon en anglais, mais pas un super traducteur. Tonight I will get a head start over my brothers and sisters and set forth on my quest while they lay asleep. Donc ce soir, je vais prendre de l'avance sur mes frères et mes sœurs et aller de l'avant dans cette quête pendant qu'ils sont endormis. To fail this quest would be an embarrassment to my name. Donc si j'échoue, ce serait vraiment... ce serait très embarrassant. Ok, on s'en bat les couilles de tes histoires, mon pote. C'est parti, on veut péter du monstre. Donc apparemment, je vais recommencer avec... Wallé, il y a des pics déjà, cash. Ok, ça s'annonce bien. Bon, je vais tracer. Ah, j'ai pris des dégâts, c'est pas grave. Donc apparemment, on va jouer plusieurs membres de cette famille, donc de chevaliers. Cette famille de chevaliers... qui donc apparemment doit live up à un name. Live up, ça veut dire... comment on dit live up? Ouf, mais c'est la guerre, dites-moi. C'est la guerre. Non, laissez-moi. J'aimerais bien ne pas mourir tout de suite. Quoique, je pense que dans ce let's play, je vais pas mal crever bêtement. Ouah, j'ai recouvert 10 MP. Est-ce qu'on pourrait me filer? Parce que là, j'ai plus que 12, je pense. Je pense qu'en haut, ça doit être mes vies. J'ai plus que 12 PV. Et ça devient très compliqué de survivre à 12 PV. Dans les jeux vidéo en règle générale, sur tous les jeux vidéo modernes qui nous accordent que quelques PV, hein. Non, c'est pas vrai, en plus les jeux vidéo modernes nous accordent beaucoup de... Ah mon dieu, oh là là, je saute. Ouah, tiens, toi, qu'est-ce que tu veux? Ok, alors je vais buter cet œil qui me regarde d'un œil. Voilà, clac, super. Alors je peux faire aussi une attaque comme ça, voilà, ça peut être utile. Et notre brave chevalier est encore en vie avec ses 12 PV. Alors je joue au contrôleur Xbox 360 et lorsque j'appuie sur donc B, le bouton rouge, c'est-à-dire l'ancien rond sur les manettes de PlayStation,
de PlayStation, vous voyez, rond, croix, carré, machin, machin. Vas-y, tire. Chut. Hop là. No problem. Donc, c'est le bouton de droite, hein, pour ceux qui sont vraiment des polios de la vie. Et grâce à ce bouton, ça me permet d'envoyer des couteaux, comme ça. Ce que je trouve assez cool. Parce que c'est pas de refus d'essayer de ne pas m'y frotter. Non mais arrêtez de me lancer des trucs, vous voyez bien que je ne suis pas en état de combattre avec tant de fièvre. Voilà, clac clac. Voilà, je pense que je vais un peu abuser de mes... Filez-moi des... Ah ! Laissez-moi danser. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que je dois aller. Laissez-moi. Oh là là, je suis trop content de jouer à ce jeu, j'espère que ça s'entend. Ok, toi je te défonce, pas de problème. Y a un zombie, hop là. Qu'est-ce que tu veux le zombie? Tiens, voilà, dégage. Alors le zombie qui apparemment ne renaît pas, hein, quand je le dégonfle, quand je le dégomme, quand je le dépoutre, quand je le défrise. Hop là. Et donc on est toujours avec nos 12 PV, hein, extraordinaire. Moi j'ai envie de dire extraordinary. Extraordinary shit. This is happening right now. On Rogue Legacy. Attendez, j'ai essayé de vous faire la voix. On Rogue Legacy, this shit is incredible. I know you're gonna eat it, bitch. Donc voilà. Alors, bitch, je l'ai piqué à Spikey1337, auquel je fais des gros bisous. Et je lui fais bien sûr des gros bisous, ainsi qu'à Samaï. Samaï sur les nichons et Spikey sur l'anus, parce que je sais qu'il aime ça. Vous le connaissez pas, Spikey, comme moi je l'ai connu, dans les soirées. Dans les vraies soirées, les soirées tard, oh, je suis mort. Les soirées salement arrosées de diverses choses. Ok, Surly has been slain by a Frosten. Mon dieu. Donc j'ai été slain par un Frosten, sachez-le. Fairy chest hold all the runes in the game. Donc des fairy chests tiennent toutes les runes dans le jeu. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire. Runes will help you immensely. Donc les runes vont beaucoup nous aider. J'en suis fort aise. On est reparti. Une nouvelle... on va se refaire un run. Donc ça c'est celui que j'ai arrêté. Et là, apparemment, donc j'ai ces bonhommes là. Donc ça c'est les trois bonhommes avec lesquels je peux partir. Donc on va voir un petit peu les attributs qu'ils ont. Donc classe, mage. Ok, a powerful spellcaster, every kill gives you mana. Donc un mec qui lance des sorts balèzes et chaque kill nous ramène du mana, donc pas mal. Trait, ambilevious, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, ambilevious. You've got two left hands and can't cast spell properly. Ah bah génial, pour un mage c'est de la merde, bon alors ok. Trait, you like the ladies, ok. Gay, ah mais il est gay et il like les ladies. Ok. C'est étrange. Est-ce que c'est une... Ah, mais c'est Lady Sonia, c'est une meuf. J'ai été induit en erreur parce que c'est une meuf avec une barbe. Très bien. Ce jeu a l'air génial. Launches. Alors, si j'appuie sur B, launches arms that bounce everywhere. On va voir ce qu'on a de mieux parce que j'aime pas trop le fait que ce soit un mage et qu'en plus tu puisses pas te caster de sort bien. Donc Sir Darwin, Lady Siona, donc là aussi un mage, hein, ça se voit à la barbe. Stereo Blind, Giantism. Donc... Classe, mage, a powerful spellcaster, ok. Trait, stereo blind, you can't see in 3D, ok, je peux pas voir en 3D, très très bien. C'est très très étrange. Est-ce que lui il a des traits? Non, ça c'était des personnages de base, ok. Ensuite, gigantisme, ça se voit, il est plus grand. You were born to be a basketball player, ok. Apparemment, j'ai plutôt préféré la carrière de mage, c'était plus simple, c'était qu'en 2 ans, alors que basketball player c'était en 3. Toggle freezing all enemies on screen. Ah, ok, donc quand j'appuie sur B, je freeze tous les ennemis sur l'écran, très bien. Et donc, Sir Lancelot, the Barbarian, donc un barbare qui a les petites cornes du Dovahkiin, c'est cool. Classe donc Barbarian, a walking tank, this hero can take a beating, donc apparemment pas mal de PV. C'est apparemment la même classe que lui. Voilà. C'est apparemment la même classe que lui. Trait so generic, you move faster, ok, bon, bien. Et spell daggers, donc j'envoie des dagues. Alors J'ai envie de prendre le gigantique, machin, machin. Je sais que les lesbiennes qui me regardent me féliciteront si je prends cette charmante chevalière avec un petit nœud sur la tête. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai envie de prendre Sir Darwin parce qu'il est énorme. Allez, hop, c'est parti. Alors, are you sure you want to begin a new adventure with this chosen hero? Ah, cancel. Ah non, je confirme, excusez-moi. Je confirme. Ok.
Donc, to purchase, upgrade trades, navigate, ah mais je peux rien faire, smithy, unlock the smithy, and gain access to, ok, bon bah de toute façon pour l'instant, ah si je peux, unlock, ah très bien, ok, smithy, donc smithy c'est, wow, c'est, comment ça s'appelle, machin smith, genre c'est pas locksmith, c'est, bon c'est forgeron quoi, voilà, blacksmith en plus c'est écrit en dessous, the blacksmith can build the finest equipment in the world, donc le forgeron peut fabriquer les meilleurs équipements du monde, turning you into a veritably virtuous violent villain vaporizer, le mec a lu V pour Vendetta, ou alors il a vu le film, je lui conseille d'avoir lu la BD qui est bien meilleure que le film, sachez-le vous qui m'écoutez et qui voulez savoir ce que je pense des films, non pas du tout, vous voulez pas savoir, turning you into, donc d'avoir des armures, ça nous rend vachement meilleurs, ce qui est une évidence. Gathering blueprints will give you an even wider array of assorted arrayments for your armory. Donc si en plus on récupère des blueprints, c'est-à-dire des blueprints, c'est des plans, on pourra récupérer donc d'autres armures. Ok, très bien. Donc est-ce que je peux déjà acheter des trucs? Health up. J'ai combien de gold? Ah bah ouais, bah carrément, je le prends. Voilà, je peux prendre un deuxième health up. Qu'est-ce que c'est en dessous? Ça, c'est mana up. Je le prends. Ok, et est-ce que j'ai assez pour me prendre le dernier? Bah ouais, voilà, bah donc je vais tout prendre. Upgrade, promote your knight into paladin. Wow, je peux déjà faire un paladin. Through righteous training, paladin have learned how to block blows from any directions. Donc, grâce à un entraînement rigoureux, les paladins ont appris à bloquer des coups qui viennent de toutes les directions. Ok, j'en suis fortaise, comme un fortaise, tout pareil. Donc là, j'ai plus de thunes, et il me faut 90 pour unlock equip up. Donc, ok, bon, donc on fera ça plus tard. Exit to the manor. Ok, donc on est parti, et là on a donc notre... Ouf, vous avez vu comment il tourne mon bonhomme? C'est trop rigolo. Ok, bah c'est très bien. Donc là, je peux parler à ce mec... Welcome, hero. Bienvenue, héros. Maybe you can help me. I used to be the greatest blacksmith in all the lands. But one day, the monster of this castle attacked my smithy and stole all my blueprints. Donc, j'étais... peut-être que tu peux m'aider. J'étais le plus grand forgeron de ces terres. Mais un jour, des monstres ont attaqué... des monstres du château m'ont attaqué. Ils m'ont volé tous mes plans. Without those blueprints, I can only make cutterly and stuff. Donc sans ces blueprints, je peux faire que des cutterly. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être moins bien que des armures normales. Please bring back any blueprints you find, and I can build the most amazing equipment ever, quoi. Donc vraiment, ramène-moi mes plans et je ferai les meilleurs équipements ever. At a price, of course. Bon, il va nous faire payer ce baltard. Ah, j'aurais peut-être dû économiser mes sous, du coup je peux pas acheter le truc qu'il y a là. Eh ben tant pis, on va y aller à la bite et au couteau. Voilà, c'est pas grave. Laissez-moi péter des monstres, ouah, avec ma grosse épée. Et donc, qu'est-ce que tu veux, toi? Charon, one must play the toll. Ok, si tu veux. Give Charon all of your money and enter the castle. Bah ouais, je m'en fous, confirme, ok. De toute façon, c'est pas de thunes, tu peux y aller, hein, mon pote. Ça c'est comme, tu sais, si tu te fais attaquer dans le métro ou tu sais, quand t'as peur en fait, parce qu'en fait, je me demande à quoi elle sert cette porte, je peux pas y aller pour l'instant, mais bon. Alors, est-ce que ma map de tout à l'heure... Ouais, non, voilà. C'est pas... Alors là, j'ai une map. Tower, Castle, Forest, Dungeon, ok. Et donc là, j'ai... Donc toujours mon entry one, c'est la même, voilà, clac, clac, clac. C'est bon, on a assez lu pour aujourd'hui. J'ai assez fait fonctionner mes neurones, donnez-moi des trucs à taper. Donc oui, quand vous vous faites attaquer dans le métro, vous n'avez qu'à pas avoir d'argent sur vous. Le mec il dit, ouais vas-y, file ton portable. Ben oui, mais moi mon portable il est encore plus pourri que le tien. D'accord, file ton argent. Ouais mais bon, j'ai 3,50€ sur moi. Ah ouais d'accord, t'es vraiment tout pourri comme mec, en fait je vais aller faire chier quelqu'un d'autre. Et boum, voilà c'est bon. Donc, oh putain je suis déjà mort les gars. Oh my god. Ok, ben bien, c'est très bien. On est reparti. Alors, je peux reprendre... je vais prendre... Ah mais non, du coup, c'est randomisé. C'est là où l'aspect roguelike se révèle, j'ai envie de dire. Sir Gouda, c'est que... Donc, chaque héros est randomisé. Chaque héros est randomisé.
Donc voilà, j'ai des paladins, donc j'ai débloqué la classe paladin. Alors, classe barbarian, ok, donc lui, là, on va lire trait, c'est IBS, even the most valiant heroes can suffer from irritable bowels, ok, je sais pas ce que ça veut dire. B, send skins flying out from above you. Ok, donc ça, avec B, j'envoie des espèces de faux. Là, avec B, j'envoie des charmes, des chakrams. Ok, j'ai pas de trait, et donc c'est un paladin, donc c'est une paladine plutôt, et elle a donc le truc spécial. Et là, Sir Gouda qui est un knife. Donc knife, a risky hero, low stat but can land devastating critical attacks. Donc ça apparemment c'est plutôt pour les gens expérimentés. Alors le truc c'est que du coup mes trois héros sont randomisés à chaque fois. À chaque fois. Donc du coup si je le prends pas, je l'aurai peut-être pas la prochaine fois. Mais mine de rien, donc ça en fait c'est les différents membres de la famille qui vont essayer de sauver... Voilà, donc oui, j'ai quand même envie de prendre mon paladin. Voilà, allez hop. Et on va essayer de pas se faire buter tout de suite, donc j'ai 20, donc je me casse, voilà. Yay! Je fais plus l'animation bizarre de tout à l'heure avec le gros personnage. Alors là, je suppose que je vais devoir laisser mes 20 thunes, voilà, très bien. Et là, on va essayer de pas se faire buter tout de suite par le premier mob qui nous tombe dessus, hein. Tant qu'à faire, on ne rame pas le jeu. Voilà. Enfin, avec la grosse machine que j'ai, tu vas pas te mettre à râler. À ramer. Et donc voilà, c'est un roguelike dans le sens où le personnage que j'ai, ses capacités sont randomisées à chaque fois. On voit de manière assez cool, vous voyez, dès que les boules disparaissent de l'écran, il y a un petit... Ah, je sais pas quand est-ce que je vais passer. Ah, je m'en suis bouffé une. Il y a un petit... Une petite icône. Hop, maintenant. Voilà. Ok. Bon, alors apparemment, dans ce jeu, on va plutôt chercher à avoir de la thune. Voilà, pour augmenter nos stats. Mais ça a l'air super dangereux. Ok, j'y vais quand même. Pour augmenter nos stats au fur et à mesure de notre aventure, je vais te balancer un chakram. Regarde, tu te le reprends dans la tronche, c'est bien. Ok, il y avait de l'or dans la chaise. On sait pas où elle était dans le pied de la chaise, il y avait un mec qui avait caché de l'or. Chut, aïe. Aïe 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 aïe. Je sens que je vais beaucoup mourir à ce jeu. Et je sens que ça va être très drôle souvent. Et comme vous le savez, j'adore les jeux difficiles. Je ne sais pas si vous le saviez. Le saviez-vous? Alors, quand est-ce que je descends? Maintenant, clac. Et je vais risquer ma vie pour ce con et j'y vais rien à foutre. Ah mon dieu! Ah mon dieu! Casse-toi le zombie! Non, casse-toi! Toi, tu prends mon chakram dans la tronche, voilà. Ok, il me reste plus que 31. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer des PV quelque part dans ce putain de jeu? Ça me ferait vraiment très très plaisir. Ah, un coffre. Ok, found blueprint, super! Blood cape, je suis très très content. Il doit y avoir une chier de blueprint à trouver dans tout le jeu. Je pense qu'on... Si je veux tout débloquer, c'est parti pour être un let's play très très long, mes amis. Et j'espère que vous me suivrez à chaque épisode, et que vous chérerez avec vos copains, et que vous direz tous « Mais Tempus 84, c'est super !»« Mais Tempus 84, moi je parie que son pénis est immense !» Et c'est vrai, coupon court au ragot. Ah, est-ce que je peux prendre ça? Bah oui, mais spell found, ok, très bien. Mais du coup, j'ai perdu mon chakram. Je sais pas si j'aurais dû le prendre, j'aimais bien mon chakram. Donc oui, coupons court aux rumeurs, j'ai un pénis absolument gigantesque. C'est embarrassant. J'ai eu des problèmes avec les filles, carrément. Carrément, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh merde, j'ai oublié de sauter. Ok, eh ben écoute Lady Jenny, c'est cool. Ça me fait bien plaisir de t'avoir connu, on est reparti. Voilà, ah bah non, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, voilà, c'était ce premier épisode de Let's Play Rogue Legacy, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un bisou, je vous dis pas où, sauf à Spikey, parce qu'il sait que je lui fais un bisou sur l'anus, donc du coup, juste le terme bisou, ça veut lui parler. Et sinon, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez, tout ça, voilà, parce que, juste pour me faire plaisir. Et surtout, j'espère vous voir la prochaine fois pour un nouvel épisode de Rogue Legacy. Allez, ciao ciao, jouez bien.